Bonjour à vous, chers futurs collégiens. Je m'appelle Sarah, et comme vous, avant mon entrée en 6e, il y a maintenant quelques années, j'avais des questions, et parfois même quelques appréhensions concernant mon passage au collège. Je vais tenter d'y répondre au maximum dans cette petite vidéo, dans laquelle je vais vous présenter le collège, ainsi que certaines des personnes qui vont faire partie de votre quotidien pendant les 4 prochaines années. D'ailleurs, voilà Madame Garvin, le chef d'établissement. Chers élèves de CM2, bonjour et bienvenue au collège Jean 23. Nous nous réjouissions à l'idée de vous accueillir dans le cadre de l'immersion de tous les élèves de CM2 prévue sur la fin de l'année scolaire. Malheureusement, nous avons dû y renoncer à cause du Covid. Mais soyez sans inquiétude, nous saurons vous accueillir avec beaucoup de joie à la rentrée scolaire. Nous espérons que cette petite vidéo va vous permettre de découvrir les fonctionnements et tout ce que l'établissement va pouvoir vous proposer. Alors, le collège Jean 23, bien sûr, a pour mission de vous donner un enseignement, mais c'est également un lieu où, grâce à vos professeurs, vous allez pouvoir aussi vous épanouir dans le sport, dans la musique, dans le chant, dans le théâtre. Bienvenue à vous et puis bonnes vacances. Nous entrons maintenant dans l'administration du collège où nous apercevons Madame Bégic qui se charge de l'accueil. Allons rendre visite à Monsieur Hunsinger. Alors je suis Yves Hunsinger, le directeur adjoint du collège. Dans mes missions, je suis tout particulièrement chargé de l'accompagnement et du suivi pédagogique et éducatif des élèves des classes de 6e et de 5e. Je m'occupe aussi de l'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers, c'est-à-dire les élèves qui ont besoin d'avoir des aménagements pour leur scolarité, et ceci pour tous les élèves de la 6e jusqu'à la 3e. Je suis également professeur d'enseignement religieux en classe de 6e et en classe de 3e, professeur principal d'une classe de 3e. Je suis animateur du club de théâtre. Il y a 48 élèves au collège qui font du théâtre cette année. Et puis, petite information intéressante, c'est aussi moi qui compose les listes de classe. Bonjour, je suis Clémence et je suis en 6e G. Je fais partie du club théâtre. Tous les mardis, entre midi et 2, je fais du théâtre, dirigé par Monsieur Otinier. À chaque fin d'année, il y a un spectacle. Selon votre niveau au collège, il y a plusieurs groupes. On espère vous voir bientôt dans notre club théâtre. Franchement, jalouse, moi ? Jalouse de cette idiote qui chante au-delà de la clé de sol en rêvant de trouver celui qui lui permettra enfin de passer son temps à faire le ménage, les lessives et la vaisselle. Nous nous trouvons maintenant dans le couloir du deuxième étage, au bout duquel se trouve le CDI. Allons voir si la documentaliste est là. Bonjour, je suis Valérie Letcha, professeure documentaliste, et je vous souhaite la bienvenue au CDI. Ici, vous pouvez lire des BD ou choisir des livres à emprunter. Là, vous pouvez consulter des magazines, travailler ou regarder des livres documentaires sur de nombreux sujets. Et dans cet espace, vous pouvez effectuer des recherches sur Internet ou réaliser des diaporamas pour vos exposés. Je suis là pour vous aider et je serai ravie de vous accueillir à la rentrée. À bientôt! Comme vous l'aurez compris, vous serez toujours accueillis chaleureusement au CDI avec Madame Letcha. Maintenant, nous allons nous diriger vers la cantine où vous serez peut-être amené à manger entre midi et 2. Au
Alors bonjour, je me présente, Fritz Bruno, ça fait 5 ans que je suis agent 23. Nous faisons environ 1000 couverts jour, que tout fait maison de 6h, depuis 6h du matin. Nous avons 5 entrées, 5 desserts, 3 plats, avec un menu végétarien complet tous les mardis. Nous faisons les pâtisseries faites maison toutes les semaines. Nous sommes une équipe de 12, avec nous gérons aussi le ménage du collège. Voilà. Merci Monsieur Fritz pour toutes ces informations. Maintenant, allons voir ce qui se passe du côté du gymnase. Je m'appelle Thomas, j'ai 13 ans, je suis en 5e et je fais de l'UNSS football et tennis de table. Donc ça consiste à faire du football entre midi et 2 pendant la semaine en un jour question. Je m'appelle Apolline. Moi je m'appelle Antoine, nous sommes tous les deux en 6e. Nous faisons de l'escalade en UNSS. Il y a plusieurs groupes, celui des débutants et celui des confirmés. Pour les confirmés, il y a des compétitions. Bonjour, moi c'est Solène. Moi je suis Zoé. On est toutes les deux élèves de 3e et ça fait 4 ans qu'on est au cœur de fille. On a des répétitions 2 fois par semaine et on prépare des concerts régulièrement. On a un répertoire musical très varié et on fait de temps en temps des tournées musicales à l'étranger. Si vous aimez chanter, n'hésitez pas à rejoindre le cœur de fille. Bonne rentrée à vous et à bientôt j'espère. Au revoir! Bonjour, je m'appelle Léo, je suis délégué de la classe de 5e B. Les délégués sont des soutiens pour la classe, ils participent aussi au conseil de classe. Les conseils de classe sont une réunion entre les professeurs et les délégués, durant lesquels les délégués parlent de l'ambiance de la classe. Vous l'aurez compris, le collège Jean 23 vous permettra de vous épanouir dans le sport, dans la musique, dans le théâtre et dans bien d'autres domaines encore. Nous vous invitons à consulter le site du collège Jean 23 où vous trouverez un grand nombre d'informations concernant la vie du collège. En attendant de vous retrouver en septembre, nous vous souhaitons de très belles vacances.